1914. La guerre menace partout en Europe. En France, c'est un puissant sentiment de honte, entraînant un inextinguible désir de revanche qui domine. Depuis la perte de l'Alsace et la Lorraine, en 1870, avec la guerre perdue contre l'Allemagne. En résulte un combat politique d'une très grande violence entre nationalistes et pacifistes, dont le chef de file, Joseph Caillaux, ministre des Finances, est, par son rapprochement avec la gauche de Jean Jaurès, en mesure d'accéder au pouvoir. Mais cette éventualité d'un gouvernement pacifiste, défavorable à toute confrontation armée avec Berlin, affole les nationalistes va-t-en-guerre et déclenche une cabale médiatique sans précédent contre Joseph Caillaux. Celui-ci fait face à la tempête qui se déchaîne, mais sa femme, Henriette, psychologiquement fragile, est ébranlée par ce déferlement de haine conduit par le Figaro, en la personne de son directeur Gaston Calmette, qui traîne quotidiennement son mari dans la boue. Après plusieurs semaines de supplice, à bout de nerfs, Henriette Caillaux se fait conduire par son chauffeur au 26 rue de Rouault, à Paris, siège du Figaro. Il est 5 heures de l'après-midi quand son imposante voiture s'arrête devant la porte du journal pour déposer une Henriette élégante, le port hautain, le regard fixe. Elle va commettre l'irréparable. Sans cet acte fou, son mari, Joseph Caillaux, aurait pu éviter la guerre. Mais maintenant, va-t-il pouvoir rebondir? Comment et pourquoi la femme d'un ministre de la République a-t-elle pu être amenée à assassiner de sang-froid le directeur du Figaro, l'un des plus grands quotidiens nationaux? Pourra-t-elle échapper à la guillotine? L'affaire Caillaux a-t-elle changé le cours de l'histoire? C'est tout le mystère et l'enjeu de l'affaire Caillaux, tout à la fois combat médiatique, séisme politique et crime passionnel. Fin d'année 1913, les partis s'affrontent tous les jours à l'Assemblée. D'un côté, les va-t-en-guerre, Raymond Poincaré, président de la République, et Louis Barthou, chef du gouvernement. Des revanchards, obsédés par l'idée de laver l'affront de la défaite de 1870 contre l'Allemagne et de la perte de l'Alsace et la Lorraine. De l'autre, à gauche, les pacifistes, Jean Jaurès, qui dirige la SFIO, et Joseph Caillaux, leader du Parti radical, qui pressentent tous deux qu'un nouveau conflit entre la France et l'Allemagne aurait pour conséquence la ruine du vieux continent. Joseph Caillaux, qui s'acharne quotidiennement à l'Assemblée pour faire tomber le gouvernement Barthou, est maintenant tout proche de prendre les rênes du pouvoir. J'ai toujours tenu Caillaux pour un fin politique et pour un homme doté d'une capacité de travail phénoménale, mais ça n'excuse pas son insupportable suffisance et son arrogance, bien connue. Et par-dessus tout, je suis convaincu que son choix pour l'impôt sur le revenu et ses désirs de rapprochement avec l'Allemagne sont une catastrophe pour le pays. Toujours les mêmes rengaines pour discréditer Joseph Caillaux, sa politique fiscale et son pacifisme. Et l'on enfonce le clou, l'on critique son arrogance, l'on met en cause son patriotisme, tel l'académicien Paul Bourget qui a ses entrées au Figaro, journal conservateur. Oh, un égo surdimensionné et des convictions dangereuses. Pour moi, n'est-ce pas ? Joseph Caillaux a déshonoré la patrie et c'est une menace pour la vraie France. Le Caillaux avait bien sûr contre lui toute une classe politique, celle qui était divisée entre les pacifistes et les guerriers, si j'ose dire. Et chez Caillaux, on lui reprochera notamment de ne pas avoir été nationaliste au temps où la France était essentiellement nationaliste et portée par l'amour de la patrie et la haine de l'étranger. La haine de l'étranger. Non, ce n'est pas un sentiment pour Joseph Caillaux. Ce qui ne l'empêche pas d'aimer son pays, avec à son actif une déjà longue carrière politique au service de la France.